Il n'y est pas tout le monde. Alors, bonjour, bonjour. J'ai envie d'entreprendre. Dois-je créer une SAS? Alors, c'est ce que j'ai essayé de voir au travers de ma présentation. Objectif, moins de 10 minutes. Il n'y est pas. Succinct, bref, les idées générales. Alors, voilà ce que moi, j'en ai compris. Donc, créer, choisir un statut juridique, un régime ou autre, c'est vraiment quelque chose de très subjectif. Pourquoi? Ben, ça va être propre à votre projet, propre à votre stratégie, propre à votre situation matrimoniale, propre à la, enfin, au bien que vous possédez, aux responsabilités que vous voulez mettre en place, etc., etc. Est-ce que vous souhaitez faire entrer des associés au capital, etc., etc. Qui seront ces associés? Est-ce que ce sera de la famille ou plutôt des associés alpha? Donc voilà, c'est ce qui va distinguer, je dirais, la SAS de la SARL. La SARL a plutôt une gestion, on va dire, familiale avec des statuts flexibles également. Mais on va voir que la flexibilité des statuts de la SAS peut porter bien des avantages et répondre à des besoins. Donc allez, la SAS, on va, je l'ai découpée en deux parties cette présentation. La première, c'est force, avantages et opportunités. La deuxième partie, on va s'intéresser plutôt à ce que je considère être subjectivement menaces, inconvénients et faiblesses dans le cadre d'une SAS. Alors, on est parti, y est pas. La SAS, comme son nom l'indique, elle est différente de la SARL ou de l'EURL. Pourquoi? La SAS ou dans la SASU, c'est la SAS unipersonnel, donc un associé, une personne majoritaire, un président, donc SAS ou SASU. Donc dans ce cas de figure, on parle de notion de capital social qui va reposer non plus sur des parts sociales, ce capital social, à la différence de la SARL et l'EURL, mais on va parler d'actions. Voilà, donc des parts d'actions. C'est la grande différence, je dirais. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'une société. La SARL, en fait, ben, c'est un statut, je dirais, intermédiaire. C'est pas vraiment une société. Et pour autant, c'est pas non plus vraiment une société de personnes. Donc c'est ni société de capitaux, ni société de personnes. Donc la SARL, c'est l'intermédiaire. La SAS, on est vraiment dans une société de capitaux. Voilà. Alors, selon moi, la force, elle reposerait sur quoi également? Moi, je dirais que la gestion de la sécurité des pertes, voilà, pour les associés qui va être limitée à la hauteur de leur apport. Voilà, donc ça, faut bien le définir dans les statuts au départ. Donc, il faut faire attention à protéger son patrimoine. Donc, la SAS, en fait, elle peut être créée. Pour moi, ça c'est une force par une ou plusieurs personnes. Donc ce sera des personnes physiques ou des personnes morales. Si l'associé est unique, dans ce cas de figure, on parle de la SASU, c'est-à-dire la SAS unipersonnelle. Alors la répartition, je dirais, ou la cession des actions de la SAS, en quelque sorte, elle est libre. Sauf si vous avez défini un cadre strict dans la rédaction de vos statuts respectifs en fonction de vos associés. C'est pour ça que dans ce cas de figure, la SAS, la rédaction des statuts est hyper importante. Voilà. En plus, ces associés, ils ont la possibilité d'être, pour moi c'est un avantage, en personne physique ou personne morale. En plus, vous pourrez définir dans les statuts ces associés comme étant personne majoritaire ou minoritaire. Voilà. Le plus de la SAS, je dirais que ça repose également sur donc ça, vous l'avez compris maintenant, la flexibilité de la rédaction du cadre des statuts. Pourquoi? Parce qu'en quelque sorte, je pense que la rédaction des statuts, ça peut répondre à un besoin en termes de stratégie autour de votre projet. C'est-à-dire la stratégie interne que vous aurez prédéfinie afin de rendre votre projet pérenne et rentable. Donc, vous aurez dans un cadre strict en fait la possibilité de réaliser des statuts plus ou moins, à mon sens, qu'on va dire sur mesure. Vous allez les personnaliser à vos besoins. Voilà. Pour exemple, en fait, quand vous aurez besoin de faire rentrer, par exemple, des investisseurs au capital. Si on regarde le cas de figure des startups, pourquoi la SAS peut répondre aux besoins des startups, à mon sens, ou j'ai l'impression. Parce que dans le cadre des startups, en fait, on voit bien que les startups, elles subissent un grand besoin de flexibilité. C'est-à-dire qu'il est très fréquent que le business model en fait de départ et le business model prévisionnel sur 2, 3 ans, voire même 5 ans, en fait, il soit complètement décalé de la réalité. Donc ça demande de mettre en place une stratégie d'adaptation des statuts. Et la flexibilité de la SAS, à mon sens, le permet.
Voilà ce que je vois en avantage. Et dans les autres avantages, je dirais que c'est le cumul des fonctions qui est possible. Le président de la SAS, en fait, il pourra tout simplement et éventuellement cumuler une fonction de salarié. Donc ça aussi, ça permet de démarrer une activité pour laquelle vous seriez potentiellement pas trop sûr. Voilà. Alors maintenant, je passe aux menaces, inconvénients et faiblesses. Moi, je dirais qu'à la différence de la SARL, si vous êtes en situation familiale et marié, ben, dans ce cas de figure, en fait, vous ne pourrez pas prétendre intégrer votre conjoint comme associé. Donc ça peut être une... Moi, je l'ai mis en force, en faiblesse et menace, mais pour vous, ça peut peut-être être une opportunité, je ne sais pas. C'est fonction de votre cas de figure. Donc il y a un autre point que j'ai mis, il est à noter que les décisions, en fait, elles ne reposeront pas exclusivement, en fait, sur la responsabilité, je vais dire, du pouvoir décisionnel du président. Ça présuppose que vous devrez mettre en place, en fait, des AG ou des AGO, des assemblées générales ordinaires ou exceptionnelles, pour, en fait, mettre en place le vote des décisions. Voilà, parce que les décisions sont soumises à l'approbation des associés. Donc voilà, vous n'êtes pas complètement indépendant dans la structure d'une SAS avec vos associés. En termes de gouvernance, je vais dire. Si maintenant on regarde en fait menaces, inconvénients ou faiblesses, au regard de ce que je pourrais évoquer maintenant, le statut fiscal et l'imposition. Donc dans le cadre de la SAS, quand vous ne choisissez pas l'option, en fait, vous serez imposé donc directement dans la catégorie des traitements et salaires avec une déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10%. En référence en fait à un plafond annuel qui est fixé par l'administration fiscale et que je vous invite à aller voir chaque année. Donc là, les règles d'imposition, en fait, dans la SAS, on semble être dans la même configuration que la SARL. Si maintenant on se réfère au statut social. Donc si moi je suis président et que l'ensemble de mes associés, donc les dirigeants, sont intégrés, en fait, on va être soumis au régime social. Au régime de sécurité sociale. Voilà, de la sécurité sociale. Donc si on ne prend pas l'option, par contre si on prend une option, on choisit l'option, on peut être soumis donc directement à l'impôt sur la société, ou si on prend l'option, on peut être soumis à l'impôt sur le revenu. Voilà, et on dépendra du régime des sociétés de personnes dans ce cas de figure. Donc voilà pour la flexibilité. Et maintenant, je vais conclure en vous disant que, à mon sens, si j'ai bien compris, la SAS, en fait, elle semble adaptée, je dirais, à des activités plus orientées autour des activités d'investissement, des activités commerciales, de vente de produits, ou alors des activités industrielles, etc., etc. L'autre point en conclusion qui est à noter, je dirais que c'est plutôt pareil, un inconvénient ou une faiblesse, c'est que vous n'avez pas la possibilité de bénéficier de l'assurance chômage. Donc si j'ai bien compris, il me semble que ce soit comme la SARL. Et dans l'autre point sur lequel je noterai qu'il faut être vigilant, c'est attention à la TVA. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Y est pas. Objectif 8 minutes, donc moins de 10 minutes. Je dis y est pas, c'est pas mal. Donc voilà, j'espère que j'aurai aiguisé votre curiosité. N'hésitez pas à me faire quelques corrections ou modifications ou précisions s'il vous semble que voilà, j'ai dit beaucoup de bêtises. Je vous remercie pour toute aide que vous pourrez nous accorder collectivement. Je vous dis à bientôt. Y est pas. Prenez soin de vous. Je vous adore et osez entreprendre. Éclatez-vous, soyez créatif, voilà, et pensez également stratégie, histoire de ne pas travailler et perdre de l'énergie pour rien. Je vous adore, prenez soin de vous. Yépa, bye bye.